Aujourd'hui, le 2 octobre 2011, à Vandol, sur le quai du port, je ne pouvais pas rater l'occasion et vous faire partager un petit peu l'animation qui se produit aujourd'hui à l'initiative du comité des fêtes de la ville de Vandol. Un vide-grenier organisé par le comité des fêtes de la ville de Vandol, réservé aux particuliers. Un monde quand même assez impressionnant. Il est tôt ce matin. Déjà beaucoup de monde. Bonjour. Vous les filmez? Un petit coucou. Bonjour. Vous êtes toujours là par contre, qu'il y ait des animations, qu'il n'y en ait pas. Oui, ça fait 39 ans que je suis là. 39 ans. 39 ans. D'accord. Et c'est, vous vendez des bonbons, hein? Voilà. Des bonbons. C'est des douceurs en fait. Des douceurs. C'est fait pour faire du bien. Pour faire du bien. Rien d'agressif. Le moral. D'accord. Ben là, il y a beaucoup de monde, je vois, aujourd'hui. C'est quand même impressionnant. Parce qu'il fait très beau. Hein. Il fait beau, voilà. Tout à fait. Il n'y a pas de vent, il fait beau, il fait chaud. Il fait pas trop chaud, enfin tout est bien pour qu'on passe une belle journée. Ça va? Oui, merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Ça va passer comme ça, non? Oui. Sur Vandol Blog. Ah, d'accord. Ça sera le début, hein, puisque d'accord. C'est le début. Après l'arrivée, c'est rouge sur la liste. C'est plus belle. Pour combien ça? Nous aurons peut-être une chance de rencontrer la présidente de l'association, Martine Gantel, qui organise tout ça, qui organise très bien d'ailleurs, qui a beaucoup de succès. Déjà des bonnes affaires. Tout à l'heure, j'ai vu des vélos. Il y a de tout. Hein. Il y a vraiment de tout. Et je crois que vous appréciez comme moi le cadre dans lequel se déroule cette manifestation. C'est vraiment exceptionnel. Là, on va passer devant les pointus. Une partie du quai du port du général de Gaulle leur est réservé. D'ailleurs, rien n'a été installé, on peut le voir, devant les places qu'ils occupent pour pouvoir apprécier leur beauté, parce que ce sont vraiment de très beaux bateaux. J'espère qu'on va rencontrer Martine quelque part. On va aller jusqu'au bout. Là derrière, vous voyez la mairie de Vandol. Enfin, la nouvelle mairie qui est devenue l'ancienne. Parce que la mairie, au départ, c'était dans la rue des Écoles. Puis il y a eu celle-là, sur la place de l'église, la place de la Liberté. Maintenant, c'est à la médiathèque. Nous rencontrons aussi des personnages connus. Vous voulez dire quelque chose? Vous êtes sûr? Vous voulez être sûr? Vous voulez rien dire? Vous n'avez rien à dire? Tu veux dire quelque chose? Non?
Qu'est-ce que tu vends de beau? Dis-moi, il y a des choses à toi là? Oui? Tu parles pas français? Non? Dis-moi, montre-moi ce que tu vends. Qu'est-ce que c'est qui t'appartient ici, que tu vends? Le cadre derrière. C'est derrière? Le cadre derrière. D'accord. C'est quoi comme cadre? Là, l'orchidée. Ah, d'accord. C'est un tableau? Oui, le tableau. C'est pas. Tu le vends cher? 15 euros les deux. 15 euros les deux, d'accord. Bon, ben, j'espère que les gens regarderont. Les petites girafes sont... Les girafes sont à la jeune fille. Ce sont vos filles? C'est des girafes, ça vient d'où ça? C'est des girafes, je ne sais pas. C'est 2 euros. D'accord. Très bien, tout le reste c'est à vous. À moi ou à ma belle-mère? D'accord. D'accord. Eh bien, bonne continuation. Merci. Merci. Non. Je suis toujours à la recherche de Martine, mais je ne la vois pas. Tu vas là pour la regarder, mais la petite chienne. Ouais, j'ai un kiff. À toi, qu'est-ce que tu vends? Nous voici avec la responsable de cette animation, Martine Gantel, la présidente de l'association du comité des fêtes de Bandol. Alors, parlez-nous un petit peu là de cette animation. Je trouve qu'il y a énormément de monde. Il y a de plus en plus de monde, d'ailleurs. Oui, parce que notre vide-grenier étant, je pense, bien organisé. C'est-à-dire, je suis dessus depuis plus de 3 mois. Donc, les gens maintenant nous connaissent. On a une excellente réputation. Ils savent qu'à Bandol, sur ce vide-grenier, ils vont trouver des vêtements de marque à petit prix. Et ça, c'est la rançon du succès. C'est que j'essaye de filtrer qui n'est pas du tout de professionnel. Comme son nom l'indique, un vide-grenier, c'est un vide-grenier. On est là tous pour faire des affaires, à commencer par moi, qui suis une vraie chineuse.
D'accord. En fait, vous contrôlez, vous vérifiez que tous les gens... Absolument, bien entendu. D'accord. Vous dites des vêtements, mais j'ai vu beaucoup d'autres choses également. Il y a de tout, mais c'est l'esprit vide-grenier. D'accord. Pas de professionnel. Et ça se passe une fois par an, ça Alors, comme la loi l'exige, j'organise 2 vide-greniers dans l'année. D'accord. Un à cette époque-ci, et le prochain, qui a énormément de succès aussi, Christian, puisque tu y étais, au mois d'avril. C'est-à-dire au printemps. Là, les gens vident à nouveau leur maison et leur vide-grenier. Ce sont d'autres vêtements d'été, d'autres choses. Mais ça vient de partout. Ça vient de Marseille, ça vient de Nice. Il n'y a pas que des bandolets. Ah non, ce n'est pas réservé aux bandolets. Non, oui, d'abord, je crois que ça ne doit pas être autorisé de réserver spécifiquement. Absolument pas. Donc tout est ouvert. Hein. Et comme je suis sur vide-grenier.org, qui est une. Ça c'est bon à savoir, je le mettrai sur le blog. Oui. Absolument. Donc c'est pour ça que ça vient de partout. D'accord. Et là, j'ai clôturé il y a 2 jours parce que c'était vraiment complet. Et c'est pas. Il y a une participation minime pour. Non. Bon, l'idéal, c'est le minimum, c'est 3 mètres. Non, mais je veux dire, au niveau financièrement, il faut quand même payer quelque chose pour participer. C'est 8 euros, non? Je crois que j'ai 8, vu. 8, ah oui, Christian, 8 euros le mètre linéaire. D'accord. Tout le monde a la même profondeur. D'accord. Donc, c'est un très beau vide-grenier parce qu'il n'y a pas de poussière. Sur le port, je crois qu'on doit être un des rares sites sur la Côte d'Azur à organiser un vide-grenier avec un cadre pareil. Exactement, c'est pour ça que je suis venu faire une petite vidéo. C'est exceptionnel. Et j'ai vu, d'autant que le port a été nettoyé récemment, la semaine dernière. Oui, absolument, ces jours-ci. Donc là, les gens qui mettent même leurs vêtements par terre, d'ailleurs ce soir, on va faire très attention pour laisser dans l'état où on l'a trouvé ce matin. Il n'y a pas de raison, ça ne doit pas être salissant. Non, les gens qui exposent, ce sont des gens raisonnables et sérieux. Et cette année, c'est bien organisé parce que nous avons pris pour les exposants, ils peuvent se garer gratuitement au kiosque sur le jeu de boules. Ah d'accord, donc tous les exposants ont pu mettre leur véhicule. Ah c'est bien ça, donc il n'y a pas eu d'interdiction de se stationner que sur le quai de Gaulle comme ça se passe souvent lorsqu'il y a des animations. On a géré tout le parking ce matin. Ça c'est parfait ça, parce que bon, souvent lorsqu'il y a des animations, on fait des réflexions. Nous sommes là à 5h15 le matin, tout le monde est déjà numéroté, tout est tracé au sol depuis la veille, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout d'embouteillage. Et d'accord. Après, on indique aux gens d'aller immédiatement se garer en placement gratuit. D'accord. Et c'est jusqu'à ce soir, c'est jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, d'accord. Ben, là, je vais mettre la vidéo. Je pense c'est un très beau besoin de faire publicité parce qu'il y a vraiment énormément de monde. C'est très très bien. Et on a une excellente réputation. Bravo. Les gens viennent de loin pour chiner. Et ça fait combien d'années que ça existe, les vide-greniers ? Maintenant, ça va faire, nous, personnellement, 3 ans. C'est la rançon en fait, du succès. C'est au bout de 3 ans en fait, que les fruits portent. Ils savent que le comité des fêtes organise un beau vide-grenier. Et je pense que tu peux demander à des exposants, entre autres, cette dame qui le fait régulièrement, pour lui demander au niveau organisation. Comme ça, elle te dira Allez. Ce qu'elle en pense. Parce qu'elle en Est-ce fait... qu'elle a envie de parler au moins ? Voilà, bien, oui, je vais. Allez, je commence par elle parce que c'est toujours ma première cliente. Ah, d'accord. Qui se trouve ici et que elle a un beau stand. Donc, est-ce que je peux vous faire paraître à la télévision dire ce que vous sur Internet, pas la télé, sur Internet. Voilà, je rigole. Alors, dites-lui l'organisation. Mettez-vous à côté. Mets-toi à côté d'elle si tu veux, Martine, merci. Voilà. C'est une fidèle. C'est donc vous êtes une des premières. Oh oui, la première. La première. Il y a 3 ans. Vous êtes la première. De suite. Vous êtes pas bandolaise ? Non. Non, vous n'êtes pas bandolaise, mais vous n'habitez pas non plus Bandol. Elles viennent de Marseille. Elles viennent de Marseille. Comme disait Martine, vous avez connu le vide-grenier de quelle façon, le vide-grenier de Bandol ? Par le bouche à oreille ? Oui, parce que nous, on fait des vide-greniers des fois le samedi et le dimanche. D'accord. Et réguliers, mais ceux de Bandol, on ne les rate pas. Alors comment vous le trouvez celui-là, aujourd'hui en particulier ? Très très bien, mais en particulier impeccable. Bien rangé, bien net, très propre, bien. Propre, hein, il fait beau, le soleil est avec nous. Exactement. C'est surtout au niveau de l'arrivée, de l'emplacement.
Tout est mis, tout est étudié, tout est impeccable. D'accord. On a je crois que vous aurez une place réservée problème. L'année prochaine, avec des copains comme ça. Mais je téléphone toujours 2 mois à l'avance. D'accord. À mon nom, elle le sait. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des places, enfin des... Oui, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui n'avaient pas pu venir parce qu'il n'y avait pas assez de place. Absolument, depuis 48 heures, j'ai clôturé. D'accord. Et je vous dis, j'ai une surprise vraiment à l'avance. Oui, il y a 2 mois. Bah écoutez, c'est parfait, hein, je vois qu'il n'y a rien d'autre à dire, que c'est très bien. Voilà. Une satisfaction de voir la qualité de ce vide-grenier. Mmh. Parce que comme je te le disais, je suis une chineuse dans l'âme depuis l'âge de 17 ans. Et donc ce vide-grenier, c'est le vide-grenier que j'aimerais fréquenter ailleurs. C'est vrai. Bon, mais il faudra qu'il reste ici, on ne va pas le mettre ailleurs. Hein. Merci Martine, merci madame. Merci. Bonne journée. Merci Christian. Merci, merci beaucoup. Là, nous sommes devant l'embarcadère pour l'île de Bain-d'Or qui s'apprête à partir, on va dire. Le bateau qui s'apprête à partir. Pour rejoindre cette petite île. Cette petite île qui est un endroit paradisiaque, ceux qui le connaissent, et que je vous invite à visiter. Exposant de qualité. Hein, voilà. Monsieur le maire, bonjour. Là, j'arrive un petit peu comme sur, comment on dit Une caméra sur la soupe. Là, vous êtes. On est avec vous. Donc, vous êtes le maire. Et la question que je me posais, monsieur Palix, maire de Bain-d'Or, savez-vous la chance que vous avez d'être maire de Bain-d'Or? La chance que vous avez d'être maire d'une ville aussi. C'est réciproque parce que je donne beaucoup et tout le monde a la chance. Tout à fait. Elle est très partagée, la chance. Vous avez quand même, c'est un cadre magnifique. Il fait un temps aujourd'hui exceptionnel. Il faut en profiter, hein, et il faut faire honneur à sa ville. Et c'est pour ça que je félicite Madame Gantel qui fait vraiment honneur à sa ville en organisant un vide-grenier exceptionnel. Voilà, et j'espère merci, que ce sera pour tous les vide-greniers pareil. Merci, monsieur avec, le maire. Avec un temps comme celui-là, hein, c'est vrai qu'on est vraiment gâtés. C'est moi qui le gère. Voilà, pas vous, je croyais. Non. Je le donne quand je veux, le temps. Oui, d'accord. Non, mais voilà. je suis ravie. Très c'est bien. C'est en plus, comme je dis à monsieur le maire, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça vient de toute la région. Donc c'est une bonne image de marque, on a une excellente réputation. Le cadre est magique. D'accord. Oui. Et on a la chance d'être accueillis sur cet endroit. Donc les gens sont sérieux. Le soir, tout est nettoyé. Ouais. On a garé les voitures des exposants sur le jeu de boules. Donc tout s'est très bien passé et c'est ce qui fait cette ambiance. Là, vous avez une collaboration avec la mairie sans faute. D'accord. Oui, beaucoup d'harmonie. Voilà. Elle a tout dit. Hein? Oui, absolument. D'accord, bien. D'accord. Merci, c'est ce qui fait la réussite du vide-grenier. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.